moi qui ai fondé Artefix il y a maintenant presque 16 ans. Après avoir travaillé une petite vingtaine d'années dans le métier de l'audiovisuel et du cinéma, d'effets spéciaux numériques. De manière assez complémentaire de Gilbert, moi je viens plutôt du jeu vidéo. J'ai travaillé comme producteur dans différents studios. L'objectif pour nous, c'est de former des graphistes de très haut niveau qui vont être capables de trouver du travail partout dans le monde sur n'importe quel type de production, animation, effets spéciaux, jeux vidéo. Rentrer à Artefix, c'est rentrer dans une grande famille qui existe depuis pratiquement 15 ans. On va développer sa curiosité et surtout on va développer un esprit d'entraide. Aujourd'hui, on est à plus de 400 anciens étudiants qui travaillent dans le monde. Les premières promos aujourd'hui sont devenues des responsables, nous on dit des leads ou des superviseurs dans leur domaine, dans les plus grands studios partout dans le monde, à ILM San Francisco, à la Weta en Nouvelle-Zélande. Donc, de fait, depuis quelques années, les studios viennent directement, lors de notre jury pro, recruter les futurs talents. On va voir dans l'exposition, c'est à la fois tout le travail préparatoire, donc le travail de dessin, de maquette, on voit des sculptures, et ensuite tout le travail de fabrication en lui-même. Il y a des témoignages dans lesquels on va voir les décors qu'ils ont fabriqués, des éléments de costumes qu'ils ont fait eux-mêmes, qu'ils ont dû bricoler pour qu'ils soient crédibles à l'écran. En moyenne, un étudiant d'école fait une minute de film en un an. Donc il faut un étudiant pour une minute de film. Vous imaginez quand on fait un long métrage, la durée, le monde qu'il faut pour faire un film entier. Parce que chaque tournage, c'est un prototype, il faut résoudre des problèmes. Il n'y a pas de source magique pour arriver à faire un tournage. Chaque film, que ce soit un court métrage ou un long métrage, il y a toujours une aventure qui se réinvente. Et le parcours d'exposition va vraiment montrer toutes ces étapes-là. Et vous verrez que chacun des films qui a été réalisé est complètement différent. Et chaque groupe d'étudiants est passé par une expérience et des essais complètement unique dans ce qu'ils ont pu développer comme imaginaire.